Bonjour et bienvenue dans Mimi numéro 1 de la saison 2024, hein, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonjour Jérôme. Salut Antoine. Tu nous avais manqué? Bah toi aussi tu m'as manqué. Ben oui, 3 mois. 3 mois sans Mimi, sans vous. Eh oui, ben vous nous avez manqué aussi énormément. Et ces 3 mois, on les a pas passés à rien faire. Hein. Bien au contraire, on a profité pour vous construire encore ben, 3 belles émissions. Parce que vous savez maintenant, dans ce format trimestriel, les émissions ne rentrent plus dans 25 minutes, c'est pas possible. Non, on Donc, déborde, on on déborde. déborde. Et sur notre première émission, qui est donc en immersion sur un lieu insolite, eh bien, on a été à la rencontre de Stéphane Levaché sur Étretat pour une visite hermétique, alchimique, Alchimique. de ces lieux. Alors, bien sûr, il y a l'aiguille creuse, mais pas que. Non, il y a une auberge, un manoir, C'est ça. avec une décoration intérieure. Alors, ce qui est spécial, c'est sculpté dans le bois. Et comment les propriétaires du lieu nous ont permis avec Stéphane, de nous faire une petite visite alchimique de cette décoration qui est très spéciale. Exactement. Donc voilà, vous allez voir mais tout ça dans quelques secondes. Et puis on a profité d'un temps magnifique. C'était au mois de janvier. Oui, on a eu de la chance. Je C'était pense que le là, seul week-end non pluvieux. on a de la chance hein, par rapport à notre petite sortie, parce que pareil sur Gisors, on a eu un temps magnifique. C'est Il ça. faisait pas chaud, mais On y va? on est parti. Allez, on rejoint Stéphane et Nicole et visite hermétique d'Étretat. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à Étretat, en Seine-Maritime, pour une visite initiatique, alchimique, hermétique. Avec notre ami Stéphane Levaché. Bonjour Stéphane. Bonjour Antoine. Donc, super journée aujourd'hui hein, Bah oui, on a pour. vraiment de la chance. Un beau soleil, une température assez agréable. Ouais. Voilà, même si on est quand même en janvier, hein. Janvier, février. Ah oui, janvier, oui, janvier. On est en Ouais, janvier voilà. encore. Et donc, bien, on va t'accompagner toute la journée pour décortiquer un peu la symbolique hermétique. De ce lieu, Étretat, qui est un lieu assez fort sur le plan alchimique hermétique Oui, symbolique. donc, et symbolique. Donc on va, dans un premier temps, déjà faire l'analyse du lieu. Hein, Voilà, visite naturelle. tu vas nous parler de plusieurs portes naturelles. Et ensuite, on ira se balader dans les rues d'Étretat pour voir deux bâtisses où sont gravés dans du bois des symboles alchimiques. Et voilà, tu vas nous expliquer tout ça par le détail. Voilà, tout à fait. Alors, donc il y a deux demeures philosophales dont on parlera après, donc qui peuvent être déchiffrées et qui formulent en effet un processus toujours de transmutation alchimique de soi. Hein. Mais la particularité de ce lieu, c'est que aussi est inscrit dans la nature le même finalement message, mais message qui a été formulé par nos ancêtres vraiment très lointains. Il y a un certain nombre d'indices qui nous laissent entendre que Étretat pouvait être un dispositif initiatique, certainement dans le cadre de rituels, de pèlerinages, à l'époque celte ou pré-celte. Quand on arrive sur Étretat, d'ailleurs, on peut s'intéresser à la toponymie avec les noms des villes. Et alors, qui renvoie d'une part à la pierre, hein, donc qui peut devenir philosophale. Donc, il y a par exemple un village qui s'appelle Le Gall. Il y a aussi Pierrefic, juste à côté. Donc, l'idée de la pierre qui est là, et le symbolisme de la pierre que nous sommes, mais qui est donc matérielle, mais qui peut spiritualiser, donc devenir philosophale. Et puis, des références aussi à Hermès et Thoth. Il y a Hermeville avant de rentrer, il y a Turtot, Vergetot. Et puis aussi être Tat, moi je l'entends comme ça, Tat étant le petit-fils du dieu Thoth Hermès, qui est un des premiers apparemment, comment dire, messagers d'une façon de voir la vie et de concevoir son cheminement humain sur Terre. Et qui nous renverrait en fait compte à l'époque néolithique.
Donc peut-être à l'ère même du taureau, même si ici il y a des indices qui renvoient plutôt à l'ère suivante, qui serait l'ère du bélier avec un élément de la topographie, là justement dans l'alignement des portes, qui renverrait à Belénos. Alors justement, le site naturel qui aurait été en quelque sorte construit dans les falaises par le cours d'une rivière qui va de l'est vers l'ouest et aurait creusé ses portes. Donc ce dispositif enchaîne un certain nombre d'éléments que je vais récapituler. Parce qu'il n'y a pas simplement que les trois portes connues d'Étretat, c'est-à-dire la porte d'amont qu'on voit là, qui est l'entrée du dispositif initiatique, et la dernière porte qui serait la manne porte. Voilà, donc il y a trois portes, chacune des portes permettant en fait d'entrer dans une des phases du processus. Donc là, quand on rentre par la porte d'amont, on rentre dans la phase au noir du processus de transformation de soi. Donc la phase au noir, c'est prise de conscience des limites de son ego, prise de conscience qu'il y a autre chose que l'ego, qu'on appelle aujourd'hui l'inconscient, et qu'on peut déployer et auquel on doit se relier pour faire émerger certaines potentialités. Après la porte d'aval, on aurait donc le franchissement de la phase au blanc. D'ailleurs, l'aiguille creuse s'appelle aussi la dame blanche. Donc, au-delà de la porte d'amont, on aurait la phase au blanc. Et puis, au-delà de la porte, donc la dernière porte, la main porte, on aurait la phase au rouge. Donc, ça, c'est les trois portes principales du site d'Étretat. Ok, alors écoute, ce que je te propose, on va se rendre vers la porte d'aval. Comme ça, on va s'écarter du sac et ressac. Et puis, tu vas nous expliquer tout ça en chemin. On a pris un peu d'altitude. Oui, en effet. Voilà, et on a une très belle vue sur la porte d'Amont. Oui, la porte d'Amont, qu'on peut aussi entendre comme la porte d'Amon, dans le sens où c'est à partir de cette porte, et donc du côté où nous sommes, où on rentre dans un dispositif qui va nous faire prendre conscience qu'il y a un autre centre directeur de son être que l'ego, en fait, qui est le soleil invictus, donc qui est un principe transcendantal, donc qui est en nous la manifestation de la divinité solaire qui a été représentée par Amon-Ra. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant la porte d'entrée, il y avait en quelque sorte, il y a toujours, parce que tu pourras le montrer d'ailleurs, cet emblème d'Étretat, qui en latin a pour devise Semper Apertae, voilà, Semper Apertae sunt. Mea portae, c'est-à-dire que mes portes sont toujours ouvertes, c'est-à-dire que ce signe qui remonte à la nuit des temps, qui est immémorial, bah, est toujours actif. C'est à nous justement de prendre conscience que les trois portes d'Étretat sont des portes de franchissement de niveau d'être. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, ce site qui remonte peut-être à l'époque d'Hermès Thoth, donc néolithique, et site qui a dû être aussi très actif à l'ère suivante, l'ère du bélier, avec le dieu Amon qui est représenté par Bel, Apollon, Bélénos, tout ça c'est finalement la même représentation, c'est des histoires de civilisations différentes. Donc en amont de la porte d'Amon, il y a deux repères visuels magnifiques d'ailleurs quand on va dans ce sens-là de la promenade, qui sont en quelque sorte peut-être des repères, des énormes panneaux indicateurs justement du dispositif qui commence après la porte d'Amon. Alors les deux repères visuels qui peut-être indiquaient à des pèlerins d'un autre temps bah, le lieu d'initiation ont des noms qui nous intéressent et qu'on peut déchiffrer actuellement. Il y a l'aiguille de Belval, qu'on appelle aussi la dame de Belval. Et puis juste après, un autre repère visuel qui a pour nom le roc Vaudieu. Et donc quand on enchaîne
les deux mots, ça fait donc la dame de Belval, Vaudieu. Et là, on aurait en quelque sorte deux pré-portes du site qui renverraient un lieu de culte avec en fait une divinité masculine et féminine, enfin un dieu et sa parèdre. Donc il y a Dieu et puis sa parèdre, donc la dame de Belval. Et puis Bel, ça nous renvoie à Belénos, donc un culte religieux datant de l'ère du Bélier. Donc on aurait ces deux repères du site. Et puis après, les pèlerins rentraient, je supposais, par donc la porte d'Amon. Donc commencer une phase au noir d'initiation, c'est-à-dire prise de conscience de la limitation de sa dimension purement fonctionnelle en tant qu'ego. Et puis, cheminement qui peut être un petit peu long. Alors, est-ce qu'il se faisait sur la grève ou à côté? Peu importe, mais il faut déjà passer de la porte d'Amon à la porte d'Aval. Et la porte d'Aval, on le sait, était gardée par. Quand on regarde en bas, ça fait une espèce d'énorme grotte. Et cette grotte était gardée par des fées. C'est-à-dire, donc, ça nous renvoie à des druidesses. Donc, pour passer du côté de la phase au blanc, il fallait certainement avoir l'accord des prêtresses du lieu. Donc, à l'époque, au moins, celtique. C'est de l'autre côté, justement, de cette porte d'Aval, qui fait en anagramme lava, c'est-à-dire qu'on est invité à passer cette étape-là dans le processus de transformation. C'est de l'autre côté qu'il y a la fameuse aiguille creuse, ou la dent creuse, ou la dame blanche. Donc on est vraiment dans passer du côté de l'œuvre au blanc. D'ailleurs, toute la côte est associée à cette œuvre au blanc. Il faut se rappeler qu'on est sur la côte d'Albâtre, donc ça renvoie au blanc, et qu'on est dans le pays de Caux, donc de la pierre blanche. Donc voilà, et c'est dans l'aiguille creuse que Arsène Lupin a entassé les trésors qui, à un moment donné, nous dit Maurice Leblanc, sont les trésors d'Isis. Donc toutes les potentialités en fait de son âme qu'il faut déployer. L'œuvre blanche, ça consiste justement à déployer les potentialités de l'inconscient dont on doit prendre conscience. Et quand l'inconscient se déploie, ça devient en fait une âme qui est un corps qui prend en fait l'ascendant et le pilotage de notre destinée humaine. Voilà. Et donc la phase d'après, qu'on ira voir, c'est la Man-Porte, qui correspond donc là à la phase au rouge, qui va engendrer en fait une décorporification de l'être. Et la mana chez les anciens, c'est justement la substance non cristallisée. Donc ça renvoie justement à la volatilisation de l'être qui se spiritualise et finira d'ailleurs par disparaître. Alors, au-delà de ce qu'il y a après la Man-Porte, qui est l'aiguille de la courtine. Une courtine, c'est en fait une espèce de mur qui est entre deux tourelles. Et donc, ça nous laisse entendre que la phase d'avant, d'après, ça nécessiterait de l'anéantissement du corps physique. Donc, c'est-à-dire que l'esprit ne rejoindra le néant suressentiel représenté par la manche qu'à partir du moment où il y a une décorporification définitive, donc il y a une mort du corps, mais l'esprit lui continue sa transformation et il rejoint l'esprit de toute chose qui est au-delà de la matérialité. Et ce qui est intéressant, c'est que justement de l'autre côté de Courtine, c'est le cap dentifère. Donc on est l'opposé de ce qu'est le fer. Le fer, c'est le métal, la structuration, la matérialisation, la cristallisation de l'être qui induit sa dureté et sa limitation. Et donc là, quand on si on se spiritualise complètement, si on se volatilise, se décorporifie, se spiritualise de façon optimum, de manière nirvanique, pourrait-on dire, eh bien, on devient de l'antifer, c'est-à-dire on est autre chose qu'un métal, on est un pur esprit et qui rejoint en effet le néant essentiel, donc signifié par la manche. Et là, Stéphane, on est finalement pile poil au-dessus de cette deuxième grotte, la grotte au fée. On est vraiment à sa verticale. Oui, c'est comme si on était finalement au-dessus de la porte qui permet de passer dans la deuxième phase du processus. Alors maintenant, donc, il n'y a plus de fée, a priori.
voir peut-être à certains moments de la nuit ou de la journée. Mais de toute façon, on sait qu'en 1922, ils ont creusé un trou pour passer en fait de l'autre côté. Voilà, mais c'est un trou fait au marteau-piqueur, donc on a forcé le passage. En même temps, il y a une légende associée à ce trou qui s'appelle le trou à l'homme. C'est-à-dire qu'il faut franchir cette étape-là pour devenir en fait un homme complet. Ce que les anciens appelaient la dent Canon. La dent, c'est la terre rouge. Et la dent Canon, en fait, c'est l'amon, Amon. Mais aussi, ça renvoie au cas. Le cas, c'est le principe justement transcendantal en soi. Et donc, quand on est au monde, on est un homme incomplet. En fait, on est une forme d'humain, un reflet d'humain. On singe d'être humain, mais l'idée, c'est de devenir l'humain qui est inscrit potentiellement en nous, donc de devenir Adam Canon en passant la porte d'Amon, en trouvant son centre transcendantal qui est le cas. Voilà. Et puis donc il faut qu'Adam creuse, donc d'où la dent creuse, il faut qu'il creuse un trou dans sa matérialité pour passer donc et accéder voilà à une forme de conscience plus spirituelle. Très bien. Eh bien écoute, je t'invite à ce qu'on passe cette deuxième porte. Oui, tout à fait. Et on se dirige vers la dernière porte. Qui est la porte. La porte, la mana porte. La mana porte. Allons-y. Voilà Stéphane, nous venons de passer la Mana Porte et on se retrouve donc à la pointe de la courtine où il y a encore une dernière petite ouverture. Oui, alors c'est une ouverture qui a été forcée, un passage qui a été forcé pour faciliter en fait la visite touristique du site hein, dans les années 30. Hein, on avait vu que le trou à l'homme a été creusé aussi dans les années 20, en 1922, donc je pense que c'est des trous qui ont été faits, percés aussi tardivement. Parce que normalement, finalement, là, on est à l'extrémité finale, en fait, du dispositif initiatique. Et normalement, en fait, on ne peut pas aller au-delà de ce mur de la pointe de la courtine, parce que, en fait, en tant qu'être matérialisé, corporifié, en tant qu'être humain, voilà, on peut pas aller au-delà d'un certain stade de spiritualisation. Il faut que le corps se volatilise définitivement, c'est-à-dire qu'on meurt pour passer de l'autre côté de cette porte fermée, finalement, qui devrait l'être, maintenant qu'elle a été ouverte de façon forcée, pour rejoindre ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire le cap d'antifère, où là on est plus métallique, on est plus des êtres corporifiés, matérialisés, mais on est pur esprit qui rejoint, en fin de compte, le néant suressentiel, hein, la vie au-delà des étangs et des êtres, c'est-à-dire qu'on rejoint le principe et on redevient principe, et l'épée s'est déployée et a libéré le subtil, et c'est le point final de la destinée. À long terme, peut-être sur plusieurs vies de l'être qui, à ce moment-là, rejoint son principe créateur et unificateur. D'ailleurs, quand on est à cet endroit-là, on peut en fait avoir un peu le spectacle du tout harmonisé, unifié, hein, sous forme d'espèce de courbe hein, que trace en quelque sorte l'horizon. Et finalement, on peut se sentir un peu comme étant au centre d'un cercle. Le cercle étant la circonférence du cercle se calculant sur la base d'un nombre transcendantal qui est le chiffre pi, hein, parce qu'il faut pour calculer la circonférence multiplier le rayon multiplié par 2 au carré. Donc le cercle c'est toujours en fait une représentation en fin de compte du divin. Chez les anciens, ils définissaient le divin sans les traces de ça, dès le Moyen-Âge, mais même on sait avant le Moyen-Âge, à travers un traité qui est le traité des 24 philosophes, dans lequel un des traités, ou une des définitions qui est donnée du divin, c'est que c'est un cercle dont le centre est partout, donc il est aussi en nous,
mais la circonférence nulle part. Et quand on se situe, quand on est ici, on a l'impression finalement de voir l'harmonie du tout, ou le spectacle du tout, le panorama, depuis en fait le corps du géant, parce qu'on est arrivé, on a déployé tout son être, on est devenu, on a acquis une conscience cosmique. Donc on est ce géant qui a une conscience de géant qui voit le grand tout engendré et harmonisé et unifié par ce principe qui nous dépasse et qu'on rejoindra de l'autre côté de la pointe de la courtine. Mais c'est l'idée que là, on peut en avoir une sorte de conscience. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? On va pas t'aider Ah là. oui, ce qui est intéressant, c'est que le site, voilà, là, je termine justement sur le fait que, en fait, là, on est en quelque sorte dans ce corps de géant, on le sent bien, hein, on voit les choses comme si on était nous-mêmes des géants. Et en fait, là, on a, en quelque sorte, on a découvert, et on est, l'espace d'un instant, identifié au grand corps de l'être. Tate, parce qu'on est à être tate, à être tat. Donc en fait, on a découvert ce que pouvait être l'être total auquel nous initie par les textes Hermès Thoth et tous les descendants qui ont reformulé le message. Et dans les descendants très anciens, Tate, qui correspond, voilà, certainement à l'ère du taureau ou à l'ère du bélier. Donc là, on fait en fait l'expérience de ce qu'on pourrait être si on déployait toutes ces potentialités et si on devenait en quelque sorte des géants cosmiques à la façon de Gargantua, avec toujours l'étymologie de Gargantua, la pierre du géant nifié. Donc on peut devenir notre pierre qui au début est une pierre, voilà, comme ici. Matériel et qui est voué plus ou moins à l'effondrement ou à la stagnation, peut devenir philosophale et amener à prendre conscience de la chance que nous avons d'être vivants dans un tout harmonisé et unifié par un principe qui est le 1 chez les Égyptiens, qui voilà, est une intelligence qui crée l'univers selon un sens et une harmonie qu'on peut finalement dont on peut prendre conscience, ne serait-ce qu'à travers la beauté de ce site, par exemple, d'Étretat. C'est-à-dire que la beauté en fait, est une forme perceptible de l'harmonie, de tout ce qui est engendré par ce principe intelligent dont nous sommes aussi des formes. C'est-à-dire chacun d'entre nous est une forme d'humain. On va dire chacun en deux mots, chaque et puis un. Voilà, avec Alors Stéphane, si on veut faire ce voyage initiatique, finalement, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que aujourd'hui, on ne peut plus passer dans les arches, dans les trous, et on ne peut passer que par-dessus. Comment est-ce qu'on procède? C'est un voyage qu'on fait par l'esprit, donc au final, il n'y a pas besoin d'être présent. Alors, par l'imagination aussi, c'est-à-dire d'abord on peut quand même encore se mouvoir, voilà, sur les crêtes des falaises. On peut aussi à marée basse, même si a priori c'est pas autorisé, on a le droit quand même de se promener le long d'une grève. Hein, rien ne nous interdit encore de. Alors après, c'est vrai que c'est peut-être pas très prudent de passer sous les grandes arches qui se sont fragilisées avec le temps. Mais cela étant dit, c'est un site qui remonte quand même à la nuit des temps, donc ce serait quand même pas de chance que de passer vraiment au mauvais moment. Voilà. Donc et puis après, oui, je pense que c'est quand même important d'avoir quelques clés de lecture pour que ce site produise encore ses effets psychico-spirituels. Voilà. Après, moi, je vous renvoie en fait toujours à la devise du site qui est associée à un emblème. D'ailleurs, on voit trois portes qui ont des formes d'arbres.
Voilà, qui signifie que en fait les portes d'Étretat sont toujours actives, sont toujours ouvertes, donc le site est actif pour nous contemporains qui avons eu la chance d'avoir peut-être des ancêtres qui nous ont laissé notamment à travers les demeures philosophales, un certain nombre d'éléments symboliques qui permettent de retrouver le sens de tous ces dispositifs en fait. Voilà. Et puis on peut finir aussi avec la dernière parole de Arsène Lupin dans un des derniers romans de Maurice Leblanc. Alors Maurice Leblanc qui se prenait un petit peu pour son personnage. Alors il dit lui-même qu'il était sous la dictée d'Arsène Lupin. Et donc une des dernières paroles d'Arsène Lupin consiste à dire que Étretat, en fait, ce sont les trois portes d'Étretat sont co comme autant d'arcs du triomphe du maître depuis Jules César jusqu'à moi, dit Arsène Lupin. Mais je pense quand il dit Jules César, je pense qu'il y a une sous-estimation de l'ancienneté du site que moi je situe plutôt par un certain nombre d'éléments de toponymie à l'époque au moins de l'ère du Bélier avec la dame de Belval, et puis la référence tout autour d'Étretat à Hermestote et Étretat, encore une fois, qu'on peut lire être tate, l'être tate, donc comme petit-fils de Thoth lui-même. Donc là, ça nous renvoie vraiment à une époque néolithique. Ok. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille justement visiter Étretat, parce qu'il y a eu des sages, des sachants qui, à une époque, ont utilisé tout ce savoir naturel pour pouvoir aussi le coder, non pas dans la pierre, mais dans le bois, dans deux bâtisses que l'on va visiter en ta compagnie. Et tu vas Oui. nous décortiquer toute la symbolique qu'il y a donc dans ces deux bâtiments, Ouais, de demeure philosophale, hein, c'est deux comme demeures ça qu'on peut. philosophales. Enfin, Fulcanelli expliquait qu'il y avait justement des édifices. Alors, ça peut d'ailleurs être des objets qui ne sont pas des grandes demeures, mais en fait, tout ce qui formule certaines façons de penser, donc hermético-alchimique, peut être appelé demeure philosophale. C'est le cas, par exemple, des fontaines Wallace à Paris, qui sont en soi des demeures philosophales. Après, ici, on a deux grandes demeures philosophales, deux grandes maisons, dont les façades sont des véritables livres, en effet, comme tu le disais, Antoine, pas de pierre, mais des livres de bois. Exactement. Voilà. Allez, on y va, et puis comme ça, Voilà, c'est on va rentrer parti. au chaud. Exactement. Donc voilà la première demeure philosophale que voilà, donc je propose d'exploration quand je fais des visites sur Étretat. Alors elle est tardive celle-ci, hein, bien qu'elle paraisse comme ça très ancienne. En fait, elle date de l'entre-deux-guerres et elle a été fabriquée par le même architecte que Manoir de la Salamandre. Donc, qui est Émile Mauges, et c'est une demeure qui appartenait, donc a été commanditée par un sculpteur animalier qui s'appelle Charles Artus. Donc, on est dans les années avant-guerre, enfin, ou là pendant la guerre et après la guerre, et à l'intérieur, c'est un temple maçonnique. Qui est resté d'ailleurs en l'état. Alors bon, c'est un édifice privé hein, qui appartient donc à un couple. Après, donc, on retrouve ce principe hein, de livre de bois à déchiffrer, avec l'idée qu'il faut commencer par trouver le sens de De lecture, lecture. voilà, de ce livre. Et ici, en fait, la lecture se fait de haut en bas, voilà, avec donc ce qu'on appelle des engoulants. Ou des rageurs sont autant de formes de l'ego qui ne sait pas trop quoi faire de l'énergie inconsciente
n'est pas encore en mesure d'intégrer, puisqu'il se croit en fait, il se croit autosuffisant et qu'il n'a pas encore ressenti le besoin de se relier à la dimension donc invisible de l'être. Donc là, on a un petit peu toutes les formes grotesques que peut prendre l'ego, alors qui sont condensées d'ailleurs par un dragon. Le dragon, il incarne un peu tous les défauts et toutes les puissances ou forces centrifuges et potentiellement destructrices de l'ego. Après, si on prend de gauche à droite, il y a donc les formes et les défauts de l'ego, ça peut être le conformisme. Avec l'espèce de chien là. Ensuite, on a un animal qui pourrait être un aigle. Enfin, ça te renvoie une forme d'agressivité, de cupidité. Il y a la bêtise aussi là. La bêtise est représentée après aussi le dragon, comme si c'était finalement la forme la plus courante d'expression de l'ego humain. Voilà. Donc, il y a le problème du mauvais usage qu'on fait de l'énergie inconsciente, qui se cristallise dans des égos à tendance agressive et pas en mesure finalement d'engendrer un monde vivable et intéressant. Et donc la solution à ce problème est représentée par les anges qu'on trouve au niveau d'en dessous. Donc ça renvoie à une angéologie. Dans la tradition, les angéologies, c'est toutes ces doctrines qui en fait nous invitent à nous spiritualiser, l'ange étant une forme enfin, non cristallisée de l'être en voie de décristallisation, donc de spiritualisation. Donc là, on a cinq anges. Alors chacun d'entre eux mériterait d'être interprété, lu. Bon, ça va pas être, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Alors, le fait qu'il y en ait cinq, d'ailleurs, quand on regarde les angoulins, il y en a six. Donc, le six, ça renvoie à la création, ce qui est cristallisé, ce qui est stabilisé. Et le cinq, en dessous des anges, ça renvoie à l'idée de passage et de transformation. Donc, on peut, en fait, sortir du niveau d'être égotique et déployer nos potentialités de façon à être des formes d'être plus épanouies et puis générant des mondes plus intéressants à vivre. Juste une petite question. Dieu, c'est 4, l'homme, c'est 5, et le démon, c'est 6. Est-ce qu'il y a un rapport Alors, après les nombres ont plein d'angles de lecture possibles. Moi, je fais une interprétation des nombres qui correspond à ce que je vois sur les dispositifs initiatiques. Donc le 5, c'est vraiment. Alors toi, tu dis que le chiffre 5, ça renvoie en fait à l'homme. L'homme. Oui, alors, mais alors à l'homme, justement, qui a pris conscience de sa dimension sacrée. Parce qu'en fait, on sait que le chiffre 4, qu'on a déjà dans les dés qui remonte à l'époque de la Chine antique, c'est le 1 en fait qui sort du 4. Donc le 4, c'est le connu, c'est le cristallisé, le matérialisé, et le 1 qui fait le 5 dans le 4 du dé, c'est justement l'irruption du principe transcendantal. Donc le 5, ça renvoie à l'homme en fait initié, à l'homme en mesure de déployer sa totalité. Voilà. Et après, le nombre 6, c'est le chiffre de la création. Alors, ça peut être une création plus ou moins ratée, plus ou moins en fait limitée. Ça, ce sont les créations de l'ego, mais ça peut être aussi en fait la création d'un monde posidonien, mieux informé par le principe et qui est idyllique, qui est édénique. Donc, le chiffre 6, de toute façon, renvoie à l'idée d'une création. Alors là, les 6 angoulants, c'est le monde égotique qui n'est pas une création très désirable, dans le sens où ça va, comme disait Plotin, ce monde des égos, c'est le lieu du choc des solides, hein, et des confrontations, des corps métalliques de dureté qui se nuisent les uns aux autres. Voilà. Donc après, la possibilité de se transformer, de se spiritualiser, ce à quoi renvoient les anges. Alors la transformation, si on regarde le premier ange par exemple, hein, elle est liée aussi à la lecture. Il toujours lit et relit. C'est-à-dire qu'il y a dans les livres et dans les grands livres
des philosophes au sens le plus général du terme, en fait, des éléments d'information, des repères qui peuvent nous aider à sortir de cet état égotique détestable. Voilà. Et puis après, il y a toujours l'idée de conjoindre les deux polarités. On le voit bien justement avec le deuxième ange et qui tient un phylastère, un phylactère, pardon, phylactère ou listel, sur lequel rien n'est inscrit. C'est-à-dire qu'il faut lire les livres, mais en fait, ce qu'il faut trouver dans les livres, c'est l'esprit de la lettre. Et donc, d'ailleurs, sur le livre ouvert comme sur le listel ou phylactère, rien n'est inscrit. Donc, c'est à chacun de retrouver en fait l'esprit de ce qui est écrit, mais de façon non figée. Comme ces façades-là, en fait, ne formulent pas explicitement quelque chose, c'est à nous, en fin de compte, d'essayer de comprendre et de transcrire ce qu'on Décrypter. décrypter, ce qu'on comprend. Mais ça ne doit jamais être figé dans le marbre. Et donc, le listel renvoie bien à l'idée de conjoindre le pôle visible, donc la conscience. Alors souvent représenté par le masculin pour un homme et la partie invisible, donc l'inconscient ou en fait la psyché chez l'humain. Donc il faut parce qu'on sera informé par en fait cette partie invisible. C'est-à-dire que le principe informateur, ordonnateur et harmonisateur de notre être, il est à trouver dans les grandes profondeurs de notre psyché qui doit se déployer, se structurer, afin que finalement on perçoive enfin le véritable centre qui est transcendantal, que les Grecs appellent le sol invictus, le soleil invaincu, qui lui, en fait, par l'information qu'il nous livre, permettra un déploiement plus harmonieux. Voilà, de notre vie à l'échelle de l'individu ou du collectif. Donc voilà, l'ange qui tient une trompette, ou qui est plutôt d'ailleurs un cor, On l'a signifie déjà retrouvé qu'on a, ouais, aussi, on l'a déjà, voilà. Donc en on fait, ça va renvoie au voir. souffle de l'esprit, justement. Quand le centre, on l'a trouvé, on l'a renforcé et stabilisé. Il va y avoir déjà des manifestations sous forme de langage, sous forme d'intuition, sous forme donc de verbe ou sous forme d'aptitudes artistiques qui apparaissent. Donc c'est le souffle de l'esprit, alors qui est associé en général à l'archange Gabriel, qui va se manifester. C'est-à-dire que le 1 commence à se manifester sous forme en fait soit d'un souffle, soit de forme artistique, de paroles qui sont chargées d'informations auxquelles on n'avait pas accès avant d'avoir atteint ce stade de son évolution. Et puis, donc voilà, pour pas être exhaustif pour notre intervention d'aujourd'hui. Après, il y a d'autres éléments là qui sont très intéressants de ce côté. On retrouve Ouais. l'homme et la femme, hein, sur Oui, les tout à deux fait. Alors. piliers. Alors là, ce qui est intéressant, vous voyez, alors les statues, elles sont vraiment très abîmées, hein. Oui. Les sculptures là sur bois sont très abîmées. En fait, ça renvoie en fait au début et à la fin du processus. Alors le début est à droite, vous voyez, le sens de lecture n'est pas forcément logique. Donc au début, on rentre par une porte duel. Vous voyez, il y a deux voûtes en ogive. Donc
Quand le processus continue, on est un être duel, d'ailleurs qui ignore toute une partie de lui-même. Hein, l'ego néglige la partie inconsciente de sa personnalité et ne sait même pas parfois qu'elle existe. Et puis à la fin du processus, voilà, on sort par une porte unifiée, c'est-à-dire qu'on est un être unifié, un être centré sur un centre qui n'est plus l'ego, mais le soi. Donc on est entré dans le processus en état duel et inconscient, et on ressort en étant unifié, comme par exemple la figure du géant Gargantua dans notre tradition très ancienne l'est, parce que Gargantua ça signifie la pierre du géant unifié. Donc si on trouvait son centre, et si ce centre transcendantal en soi prenait l'ascendant sur notre être, en fait, on verrait comme depuis le corps cosmique d'un géant, c'est-à-dire qu'on verrait en fait le spectacle du monde unifié grâce à ce niveau de conscience qui donnerait accès à la compréhension finalement des ressorts et de l'harmonie à l'échelle du monde et du cosmique. Hein. Le cosmos en grec signifiant le bon ordre. C'est-à-dire, si on élevait notre niveau de conscience par le renforcement du centre transcendantal en soi, le soi, on verrait en fait la vie et l'univers tout à fait autrement, comme depuis le corps d'un géant cosmique. C'est que Étretat, en fin de compte, c'est avec le site naturel d'Étretat, on peut faire l'expérience justement d'une vision. À une échelle cosmique, en fait, on est dans l'être Tat. Tat étant, en fait, le petit-fils de Thoth Hermès. Et donc, on ferait à être Tat, en fait, donc, l'expérience de la possibilité de se transformer et de voir, quand on monte d'ailleurs en haut des falaises, on voit en effet. L'harmonie et le spectacle du paysage de la nature qui est harmonisé et dont l'harmonie se traduit par en fait la beauté, voilà. Okay. Entre autres. Et du coup, par rapport à, alors oui, alors donc, à cet emblème, voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que toujours c'est l'histoire de porte, hein, parce que la porte c'est le lieu du passage. Et là, donc sur la porte même, mais au-dessus de la porte, on a deux idéogrammes, c'est-à-dire des éléments symboliques qui font une synthèse du processus. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, mais sur l'emblème du haut, donc il y a quatre phases, hein, du processus. Alors en bas, à gauche, les traits horizontaux renvoient la couleur azur bleu. Hein. Donc le bleu, c'est ce qui vient après le noir. Le noir, c'est l'obscurantisme, l'aveuglement, la conscience fermée de l'ego. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'éveille en l'ego, qui est son intuition, et qui fait qu'on voit un peu il y a un peu de lumière dans notre nuit, et à ce moment-là, bah, le noir se transforme en bleu. Alors, le bleu est associé à la planète Jupiter, alors que le noir est la planète Saturne. Voilà. Et donc, après, il y a l'idée qu'il faut conjoindre les deux polarités, ce qui est représenté par les croix grecques. Donc, Le conscient, plutôt avec la barre donc horizontale, et l'inconscient, pour l'instant, à déployer, qui va devenir la partie principale de l'être. Donc les deux doivent être conjoints. C'est-à-dire quand le corps n'est pas relié à l'inconscient, il est représenté souvent par une croix de Saint-André, et donc il y a l'idée qu'il faut opérer une bascule. Et là, en fait, la substance et l'inconscient va livrer des potentialités inouïes qui nous permettront de nous déployer autrement. Voilà. Après, les petites les coquilles Saint-Jacques ou des deniers du tarot, parce qu'il y a quand même en dessous la référence à l'arcane 17 du tarot. Donc ça peut être les deniers, ça peut représenter justement les trois souffres. C'est-à-dire chacun de nos corps, hein, les anciens pensaient en termes de trois corps, le mental, le physique et le corporel, chacun de ces corps a son principe actif, donc le soufre. Donc dans le mental, c'est notre intelligence. Là, je suis en train d'utiliser le soufre de mon mental.
donc le principe actif qui me permet d'enchaîner logiquement un certain nombre d'idées. Le corps, il a sa vitalité aussi. D'ailleurs, le sang, on sait qu'il est constitué de soufre. Et bah, la vitalité du corps, c'est le soufre du corps. Et puis, il y a un autre soufre qu'on ignore, et c'est celui-là qui est, comme dit Plotin, l'or pur, ou le, oui, le, c'est le seul qui soit vraiment pur et qui est à l'origine finalement de l'être vivant qu'on est, mais on ne sait même pas qu'il existe. Et c'est celui-ci qui a les informations, qui permet de trouver le sens de la vie, de déployer sa vie au mieux. Et ce soufre-là, il faudrait le trouver dans les grandes profondeurs de la nuit de son inconscient qui doit petit à petit se déployer en âme. Voilà, c'est ce soufre-là qui devra être nourri par les deux autres. Les deux autres soufres doivent. Et on voit bien qu'il y en a deux au-dessus, qui sont les deux, ceux du mental et du corps, et l'autre qui est pour l'instant ignoré, mais auquel les deux du haut devront. Que les deux du haut devront fournir enfin, leur énergie à celui du bas. Pour l'activer, quoi. Voilà. Et les trois réunis, donc concrétionnés et purifiés, comme on le verra avec l'œuvre rouge du manoir de la salamandre, forment ce que les soufis appellent le soufre rouge, voilà, qui lui peut engendrer donc un cœur qui formera le fameux corps transcendantal, c'est-à-dire en fait. Entraînera un niveau de conscience voilà, de nature particulier. Petite question, comme on... Il y a les fleurs de lys après. les cathédrales, on sait qu'elles étaient peintes à l'origine. Est-ce que ces constructions étaient peintes quand le bois avait été coloré ou ça a toujours été Alors, brut? Jérôme, je pense pas, puisque cette demeure n'est pas si ancienne que ça, hein, puisqu'elle date de l'entre-deux-guerres. Donc, et puis justement, l'emblème te renvoie à l'usage, à la transcription par le symbolisme des lignes, des couleurs. Donc je pense pas qu'il y ait eu que la façade ait été peinte. Par contre, là, elle n'est pas en très bon état. Voilà. Et puis après, bah, la porte, on voit aussi le nombre 17, donc l'arcane de l'étoile. Donc dans une rue qui s'appelle quand même la rue Notre-Dame. Alors d'ailleurs, c'est Notre-Dame sans le trait d'union, ce qui renverrait peut-être pas à la Notre-Dame des chrétiens, à Marie, mais peut-être à la terre mère, à la déesse mère, voilà, des civilisations plus anciennes, parce que ce site, il a une origine vraiment très ancienne, à travers donc la référence à Thoth, et puis à travers un certain nombre d'autres éléments dont on parlera tout à l'heure. Donc sur la porte aussi, on a un petit peu tout, c'est-à-dire l'être métallique qui est représenté par la grille. Donc avant de franchir la porte du temple de sa transformation, on est vraiment une structure fermée, métallique, de dureté, de défiance, etc. Et ça fait penser aux Angoulans. Et puis en même temps, il y a la possibilité de notre déploiement qui est inscrite avec le nombre 17. Voilà, alors le 7, c'est le long processus de déploiement. Et puis le déploiement du 1. Et le 1 plus 7, ça fait 8. Ce qui renvoie à, justement, c'est le nombre du corps cosmique. D'ailleurs, Thoth, ça veut dire aussi 8 à l'origine. Stéphane, Ouais. moi par contre, je vois une demi-entrée, un demi-arc-boutant. Est-ce que. Est-ce que tu vois un demi-arc-boutant? Ah oui, un Et demi-arc-boutant. pas un arc-boutant Oui, complet. tout à Okay. fait. Est-ce Donc qu'il y ça, a là c'est. aussi une symbolique à dire qu'il faut diviser quelque chose par deux? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on, tu vois, parce qu'en fait, il y a des nombres aussi qui sont inscrits là. En fait, ton demi-arc-boutant est constitué, en fin de compte, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, Pierre. Donc là, on retrouve le 7, qui est le long processus, mais qui va, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le lire, qui va engendrer quelque chose qui ne sera pas visible. Hein, c'est-à-dire que l'autre partie, elle n'est pas matérielle. Et quand tu regardes en dessous, il y a cet élément avec cinq petites boules qui renvoie un passage. Donc toi, il y aurait bien cette idée de long processus qui permet d'opérer un passage dans quelque chose qui pour l'instant n'est pas visible parce que en fait ça échappe à notre entendement pour l'instant rationnel. Hein, je pense qu'on pourrait le lire comme ça. C'est vrai que toi je l'avais pas spécialement remarqué, mais ça peut en effet être signifiant, surtout quand il y a là deux éléments qui peuvent s'inscrire dans une logique. Donc on pourrait proposer cette interprétation-là, en effet. Ok. Bon, mais Stéphane, après avoir donc eu l'interprétation symbolique de ce manoir, qui n'a pas particulièrement de nom, hein, je crois, Oui.
On pourrait l'appeler le manoir du 17 rue Notre-Dame. Oui. En soi, déjà, c'est assez intéressant. Pourquoi pas? Mais il n'a pas de nom. Alors, c'est le manoir de, je l'ai expliqué, hein, de Charles Artus, qui était un sculpteur animalier. Et à l'intérieur, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure aussi, c'est un temple maçonnique qui est resté un peu dans son jus. D'accord. Donc, le manoir maçonnique, pour faire simple. Maintenant, on va aller se rendre au manoir de la Salamandre, à l'auberge de la Salamandre, Oui, tout à fait, ouais. pour pouvoir conclure cette journée d'interprétation symbolique. Et là, aussi, vous allez voir, il y a énormément de choses à voir, et sur la façade, et sur la porte, et à l'intérieur de l'auberge. Oui, alors le manoir de la Salamandre, c'est vrai, un peu plus connu, hein, parce que c'est vraiment un site aussi touristique. Celui-ci est plus isolé et souvent négligé. Voilà, alors qu'il est tout aussi intéressant en termes de compréhension du processus. Et celui-ci nous ramène plus justement aux premières phases du processus, alors que le manoir de la Salamandre nous renvoie en fait aux phases bien avancées, fin de l'œuvre blanc et œuvre rouge. Donc en fait, ils s'enchaînent bien l'un par rapport à l'autre, ils s'enchaînent dans une continuité, il y a une espèce de continuité logique et une complémentarité de ces deux manoirs. Ok, et eh bien écoute, on va aller voir ça ensemble. Avec grand On y va. plaisir. Allez, go! Donc là, on est juste devant la porte qui donne accès au restaurant du manoir de la Salamandre. Et la porte en soi est intéressante symboliquement, puisque ça nous renvoie. Parce qu'en fait, l'intérieur du manoir de la Salamandre, donc la salle du restaurant, est consacrée en fait à l'œuvre rouge, qui est la dernière phase du processus de transformation, de transmutation de son être. Et donc la croix qui est tracée sur la porte nous renvoie bien à la possibilité, voilà, de s'élever, franchir un niveau d'être supérieur et de se transcender, hein, puisqu'en fait on passe au-delà du niveau de la surface. On voit bien que la pointe, voilà, de la colonne, hein, est orientée vers le haut. Donc l'œuvre rouge, c'est l'œuvre qui permettra un passage de l'état humain à l'état spirituel total, qui peut aller jusqu'à la volatilisation presque nirvanique, voilà, de l'être, c'est-à-dire que le corps cosmique. Donc voilà l'intérieur de la salle, avec donc en soutien des poutres du plafond, 10 figures symboliques, toutes reliées à l'œuvre rouge. Donc le nombre 10 renvoie au divin non manifesté. Le divin manifesté, c'est le nombre 11. Hein, lorsque le 1 se double dans le nombre 11, on le voit. Avec le nombre 10, on est dans un divin non encore manifesté. Mais l'œuvre rouge, comme c'est le terme du processus, la phase d'après, c'est justement la manifestation du divin sous forme en fait d'un enfant divin dont ce moine est enceint. Voilà, donc là on est vraiment à toute fin de l'œuvre rouge, avec la possibilité donc d'engendrer un enfant divin. Donc à partir de ce D'accord. moment-là, le 1 sera manifeste, puisqu'il aura pris corps dans un enfant dont enfin, tout à fait particulier. Qu'on peut remarquer que sous les personnages, sous chaque personnage, il y a une patère qui est la patère dit la figure du personnage formulé, mais de façon plus abstraite. Donc chaque pattern nécessiterait d'être voilà, analysé, ce que je fais quand je fais une visite systématique des lieux. Par exemple, si on regarde ces deux-là, hein, on voit qu'il y a une petite différence.
avec la colonne verticale. Verticale qui est en plus. Voilà. Donc il n'y en a pas vraiment deux qui soient, Exactement identiques. Voilà, il n'y en a que trois, on voit. Voilà. Et chacune de ces figures est associée au vin. Au vin. Voilà. Donc la boisson. Au divin qui est en train de se constituer en l'être de l'humain. Donc, il a fallu déjà concrétionner les soufres. Mmh. Alors, il y a trois soufres. Ça, on a parlé avant dans le déroulement de la lecture des façades. Donc, il a fallu réunir le soufre du mental, le soufre du corps, et le soufre, le seul qui soit transcendantal, c'est le soufre de l'âme. Donc ces trois n'en font plus qu'un, forment un noyau. Et ce noyau donc de soufre donc a acquis une certaine force, se purifie, se bonifie, ce à quoi renvoie d'ailleurs bah justement le savoir-faire du vin. Ouais, on voit il est sur un tonneau. Ouais. Mmh. Et donc en ce soufre-là, ce noyau de soufre, est devenu transcendantal et divin va être prêt, il va donc engendrer dans la tanor ou le corps de l'artiste opérateur un enfant divin qui viendra à un moment donné au monde, ce qui explique encore une fois le moine enceint. Oui. Avant d'être enceint, les moines ont dû réunir suffisamment de soufre dans le tonneau qui est la tanor. Et puis le bonifier, le purifier, le condenser, hein, ce qu'on voit par exemple avec la dernière figure à droite, hein, où le tonneau est réduit à un volume plus raisonnable d'une bouteille, et le contenu d'une bouteille peut être versé dans un contenant encore plus contrôlable, qui est un verre. Donc là, on a vraiment quintessentié le rouge. Mmh. On est un peu plus dans la spagyrie, là, en fait, au niveau symbolique, alchimique. Le fait de travailler avec le vin. Oui, avec les végétaux. Ouais, avec les végétaux. Ouais. Après, c'est surtout une réflexion sur le soufre. Mmh. Voilà, donc le soufre qui peut être dans les métaux et puis aussi dans les végétaux. Mais en fait, ça, c'est plutôt, moi je dirais plutôt un symbolisme hermétique, mmh. où, dans lequel, en fait, le processus se fait surtout dans la dimension du psychisme. Il n'y a pas forcément besoin de projeter sur de la matière. Mmh. Voilà, les processus dont il est question, ce sont des processus psychico-spirituels. Et. Les soufres et les mercures représentent en fait les principes constitutifs de l'être. Le soufre, c'est le principe actif, et puis le mercure, c'est la substance. Et donc le soufre va transformer en fait la substance du mercure et en fait engendrer des nouvelles formes de corps plus efficaces. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on part d'un état archaïque, signifié par exemple par le singe qu'on a vu en façade. Mmh. Et puis, le terme du processus, c'est d'engendrer vraiment un corps cosmique, un corps de géant, au sens de un être qui aura un niveau de conscience plus ouvert, un être qui accède à une conscience transcendantale, en fait. Avec l'idée après que au terme du processus, finalement, il y a une décorporification totale et une dématérialisation. Et donc, l'esprit de celui qui a atteint finalement le terme du processus, finalement, quitte le corps et passe dans une autre dimension. Donc, en fait, le terme du processus induit presque nécessairement la mort du corps et le terme de la vie terrestre. Mmh. Voilà. On n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé.
Intéressant. Voilà, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans le dans l'enchaînement des trois portes, qui en fait finira sur l'étendue de la manche, le cap d'antifer, donc le contraire du fer, le fer étant le corps métallisé, cristallisé et bien terrestre, bien solide. Donc l'idée qu'au terme du processus, finalement, on va rejoindre en fait le néant suressentiel représenté par, par la manche, et donc on se décorporifie et on rejoint l'esprit, mais au-delà du monde visible. Voilà. Donc c'est, ça correspond en fin de compte au nirvana des bouddhistes. Il y a un retour à l'état d'esprit pur, complètement dématérialisé. Et là, on est encore en fait dans le monde humain, avec donc des personnages qui ont un corps bien, un corps bien humain, bien inscrit sur le sol, voilà, mais qui suivent un processus en effet de spiritualisation. Bon, mais Stéphane, pour conclure cette magnifique journée et balade que tu nous as faite de ce parcours alchimique, on voulait un petit peu savoir, comprendre... Alchimico-hermétique. Alchimico-hermétique, ouais. Ok. On voulait un petit peu comprendre pourquoi tous ces symboles, finalement, ils les inscrivent dans les bâtiments, comme cette auberge de la Salamandre, qui n'était pas une auberge à la base. Ah si, ça a toujours été en fait un hôtel-restaurant. On en a eu la confirmation hier avec le propriétaire. C'est un édifice qui est assez tardif, hein. Il date de 1913. Donc, ils ont commencé la construction en 1912, donc ça a été quand même relativement rapide. Ah oui, d'accord, c'est un édifice du XXe siècle. Oui. D'ailleurs, on a la signature de l'architecte qui était Émile Mauge. Émile Mauge, c'est celui qui a fait les deux manoirs dont on a lu les façades. J'ai proposé un décryptage des façades. Et d'ailleurs, c'est une copie, cet édifice-là, il a été fait selon le modèle, si on peut dire, du manoir de la Salamandre de Lisieux. Alors pendant longtemps, il y a une légende qui a circulé, parce que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de légendes, parce qu'en fait, la légende fait travailler l'imaginaire. Donc il y a une légende qui a circulé, selon laquelle c'était en fait une reconstitution du manoir de la Salamandre de Lisieux, sauf que le manoir de la Salamandre de Lisieux, il a brûlé en 1944. Donc ça pouvait pas, cet édifice-là n'a pas pu être construit avec des pièces récupérées d'un manoir qui aurait été démoli avant. Le manoir de la Salamandre de Lisieux, c'est un manoir là vraiment de la Renaissance, 1530 et quelques, donc démoli, qui a brûlé donc en 1944 avec la catastrophe qu'a subi Lisieux avec le bombardement qui a ravagé complètement la ville, où il y avait des magnifiques maisons à pans de bois. Le centre de la ville était en pans de bois. Et après, c'est donc il y a une espèce de transfert de dispositifs symboliques. Oui, mais ici, l'objectif de ce transfert, c'est garder une trace dans des lieux importants, puissants. D'ailleurs, souvent, les édifices sont doublés pour qu'on serve comme ça le message qui est véhiculé et qui se perpétue de génération en génération. C'est-à-dire peut-être que bah, dans 10-15 ans, quelqu'un décidera de construire un manoir selon ce modèle-là pour prévoir l'éventualité que celui-ci brûle, par exemple. Voilà. Donc ce qui est important, c'est de reformuler constamment et partout cette façon de penser la vie. Et cette message aussi d'invitation à se transformer, à s'élever selon, a priori, les exigences de la nature, en fait, elle-même. Mais du coup, ça répond forcément à une quête individuelle, parce qu'on voit, on l'a vu là tout à l'heure, les gens qui passent devant ces statuettes ne lèvent même plus le nez. Oui, tout à fait. Bon, après, même après, les gérants ne savent pas forcément la symbolique. Après, on peut penser quand même qu'il y a une espèce d'aimantation qui se fait, et qui se fait d'ailleurs dans tous les hauts lieux, que ce soit, je sais pas, par exemple, Mont-Saint-Michel ou Montmartre, le site que j'ai travaillé, les gens y vont. Donc ça veut dire que, alors, ils y vont peut-être par mimétisme, parce que d'autres y sont allés avant eux, mais peut-être que, quand même, ces lieux continuent d'exercer une certaine aimantation, et
bah, peut-être qu'un jour, on regarde une image. Alors souvent, justement, quand on a la phase d'odoir, qui est pas super difficile, peut-être qu'à ce moment-là, on va regarder une image et que cette image va nous parler et nous mettre sur la voie bah, d'une issue. Parce que, en fait, le processus est donné comme étant salutaire. Donc, voilà, en tout cas, c'est là et ça n'attend que notre attention. Et ce qui est important, c'est que nos ancêtres, voilà, se sont donné la peine de nous fournir des éléments qui, au moment souvent critique de la vie, peuvent nous aider aussi bien individuellement que collectivement. Donc l'Étretat, c'est très chargé. Et puis après, il y a eu l'Étretat, c'est un lieu où il y a eu des personnalités importantes qui ont fait un énorme travail de reformulation. Donc il y a bien sûr Maurice Leblanc, alors qu'il avait son groupe d'amis certainement ici. D'ailleurs, le manoir qu'on a visité ce matin, donc au 17 rue Notre-Dame, le 17 qui renvoie à l'arcane de l'étoile, donc appartenait à l'artiste Charles Artus, sculpteur animalier. Et donc on l'a expliqué, à l'intérieur c'est un temple maçonnique, et moi je suppose que Charles Artus, ça colle au niveau des années, devait être... en amitié, pour le moins, avec Maurice Leblanc, son ami Gaston Leroux, l'auteur de Chéri Bibi, et puis bah, toutes les personnalités parisiennes ou locales qui s'intéressaient à ces sujets, et certainement ont contribué à réactiver ce haut lieu immémorial, parce qu'en fait, ça va de soi que les trois portes du site naturel ne datent pas de Maurice Leblanc, donc... Maurice Leblanc est venu s'installer à un endroit qui était voilà, là depuis la nuit des temps. Et il a participé justement à en réactualiser le message, notamment à travers la série des Arsène Lupin. Voilà, et nous, on est là pour redonner un peu de faire reparler voilà, toutes ces magnifiques représentations sur les maisons à pans de bois. Et puis pour aider les gens en fait à comprendre ce qui se formule par l'intermédiaire de ce qu'on peut appeler des véritables livres hein, de bois, hein, comme il y a des livres de pierre. Ici, ce sont les cathédrales sont des livres de pierre. Ici, ce sont des livres de bois. Et chacun d'entre eux, on l'a vu, hein, que ce soit le manoir de la rue Notre-Dame ou celui-ci de la rue Coty. Au 3, d'ailleurs, je crois que c'est le 3 de la rue Coty, si je ne me trompe pas. J'y ai pensé cette nuit. Et c'est intéressant, parce qu'on enverrait en effet la troisième phase au rouge. Enfin, c'est autre chose. Le 17, il n'y a pas de doute, pour le 3, c'est à vérifier. Et donc, voilà, l'idée que ça peut être relu à tout moment. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Stéphane, merci encore une fois pour cette visite alchimico-hermétique mm-hmm. donc, d'Étretat. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, bien, il y a ton site internet. Oui, puis les visites aussi, parce que donc, à partir du mois de mars, je vais organiser donc, une fois par mois le premier week-end du mois 10 visites sur les différents sites que j'ai pu étudier. Donc, je vais proposer deux demi-journées. Par exemple, quand ce sera le tour d'Étretat, je proposerai donc une visite sur la journée. Donc, le matin, une lecture systématique voilà, des deux manoirs dont on a parlé. Et puis, l'après-midi, plutôt la lecture en fait, du site naturel pour prendre le temps d'observer tout ça et de commenter de façon aussi avec un échange avec ceux qui participent aux visites, et pour répondre à leurs questions et pour que tout ça s'intègre mieux. Donc, de dispatcher le site d'Étretat voilà, en deux temps, le matin, donc les manoirs, et l'après-midi, le site naturel, parce que ça demande quand même un certain... de prendre son temps voilà, pour intégrer et puis réfléchir ensemble pendant les visites. Le mieux, c'est d'être sur place et de ressentir aussi physiquement et psychiquement ce qui se passe autour de ce dispositif symbolique et aussi architecturaux. Et puis, pour les portes du site naturel, là, c'est aussi la nature qui parle et à une échelle quand même assez monumentale. Alors, une nature qui a pu d'ailleurs être un petit peu travaillée par l'homme. Hein. Une des étymologies latines d'Étretat,
laisse entendre que le site aurait pu être en fait construit, hein, parce qu'il y a une mythologie qui renvoie à une construction, donc d'une structure escarpée en latin. Donc ça laisse entendre qu'il ait pu avoir un travail sur le site de nos grands ancêtres. Ok, donc voilà, si vraiment vous voulez en savoir plus, une seule adresse internet, philosophiedupatrimoine.fr. Là, vous pourrez prendre contact avec Stéphane si vous voulez bien justement approfondir les visites, parce qu'on a survolé toute cette analyse. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous allez pouvoir y passer la journée complète. Et puis, on retrouvera Stéphane très bientôt pour la partie Actu Festival. Là, il va y avoir deux très beaux festivals qui se préparent sur le printemps. Et donc, on retrouvera Stéphane pour le festival de la merveille et des mystères. Voilà. Merci Stéphane. À très bientôt. Merci à toi. Donc là, c'était une merveille. Hein. Ah oui. Bon, ben Jérôme, c'était plutôt sympa comme. Ah oui, moi j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Ouais, en plus, Stéphane est très intéressant. Une culture assez prononcée sur cette lecture alchimique, on va dire, hein, de ces lieux insolites qui sont pas loin de chez nous. C'est vrai. Mmh. Alors c'est vrai que ce sont pas des sujets qu'on a forcément l'habitude d'aborder, parce que c'est quand même des sujets un peu haut-level, mais, ouais. Mais très très intéressants. Ouais. Complètement. Et peut-être que dans le prochain Mimi, dans la prochaine visite en immersion, on vous amènera voir La Rochauffée. Oui, La Rochauffée, en plus, moi, c'est un site qui me tient à cœur, je n'y suis jamais allé. Mm-hmm. Je ne sais pas pour toi, Antoine. Bah, ça sera l'occasion de rencontrer Éric Le Saint. Éric Le Saint, en plus, qui habite pas très loin et qui s'y connaît pas mal au niveau de La Rochauffée, hein, parce que par rapport à ses recherches, c'est un petit peu le centre de ses travaux, on va dire. Exactement. Mm. Donc ça sera rendez-vous au mois de juin. Mais en attendant, ça clôture la première partie donc, de ce Mimi numéro 1. Et on va retrouver dans quelques minutes, dans la deuxième émission, bien Stéphane Levacher pour le festival de la merveille et des mystères. Et tout à fait. Seconde session. Seconde session. Ainsi que Christophe et Violette pour un deuxième festival. Oui, le festival de les rencontres de l'inconnu, auquel j'ai le plaisir d'avoir été invité par Violette pour donner une conférence en plus là-bas le premier jour. Ça. Donc voilà, j'ai hâte d'y être aussi. Eh bien, le détail dans la deuxième partie. Ciao, ciao.